Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale sur les élections présidentielles. La Fédération ivoirienne de football. La question que nous nous posons, qui devrait être élu président de la FIF, c'est-à-dire la Fédération ivoirienne de football? Vous savez, nous avons trois candidats. Moi, je retiens probablement trois candidats. Idriss Diallo, premier, Sory Diabaté et Didier Drogba. Nous savons qu'en son temps, M. Sidi Diallo était président de la Fédération ivoirienne de football et, jusqu'à preuve du contraire, nous avons vu les deux éléments, à savoir Sory Diabaté et Idriss Diallo, qui était dans cette fédération avec Sidi Diallo. Ils ont quand même dirigé cette fédération jusqu'à un moment. Et nous savons où aujourd'hui le football ivoirien est resté. Est-ce que les clubs que nous avons aujourd'hui progressé? Est-ce que le football ivoirien a réellement progressé? Ce sont ces questions, des questions que nous posons. Monsieur Sory Diabaté est venu avec son programme d'action pour gouverner la FIF. Également, Monsieur Idriss Diallo est venu avec son plan d'action pour gouverner la FIF. Mais ces deux éléments ont été avec Diallo, Sidi Diallo. Et jusqu'à preuve du contraire, nous avons vu que le football ivoirien continue de rester lettre morte. Nous voyons quelqu'un qui sort de l'ordinaire, Monsieur Didier Drogba, qui vient et qui vous dit que j'ai un projet, le projet de la renaissance du football ivoirien. Didier a déjà mis tout en exergue. Il y a beaucoup de sponsors qui viendront assister Didier Drogba. Il y a aussi la communauté internationale qui viendra assister Didier Drogba. Vous n'êtes pas sans savoir que Didier Drogba a été l'élément aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui continue de montrer à tout ce monde entier que la Côte d'Ivoire existe. Lorsque vous arrivez quelque part et que vous dites que vous êtes de la Côte d'Ivoire, on vous demande, mais la Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est quoi? Mais quand tu dis le pays de Didier Drogba, et puis ils se disent, ah, Didier Drogba. Donc vous voyez déjà ce que ça montre. Cela ne veut pas dire que Didier Drogba est tellement connu que, bon, il va diriger le football ivoirien. Mais selon sa grandeur d'esprit, selon ce qu'il a mûri comme projet pour venir diriger le football ivoirien. Vous avez vu Samuel Eto'o aujourd'hui. Samuel Eto'o aujourd'hui, qui est allé au Cameroun et qui est le président du football camerounais. Mais Samuel Eto'o a quand même relevé le défi, ce que les autres n'avaient pas fait. Donc, ces gens aujourd'hui qui renaissent à travers le football africain et qui veulent mettre en place du jamais vu, mais pourquoi on ne les laisse pas dans un premier temps? Je ne dis pas que Sory Diabaté est mauvais. Je ne dis pas aussi que Idriss Diallo est mauvais. Mais ce sont des gens qui ont marché avec Sidi Diallo
et qui ont quand même fait ce qu'il fallait pour le football ivoirien. Mais jusqu'à preuve du contraire, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous-même, vous le savez. Vous qui êtes le président des clubs, je voudrais quand même m'adresser à vous. Vous voulez, est-ce que vous voulez que le football ivoirien avance? Est-ce que vous voulez que le football ivoirien sorte de l'ordinaire? Est-ce que vous voulez qu'il y ait un changement dans la stabilité? Quand Obama dit "Let's change America." Yes, we can. Ça veut dire beaucoup de choses. Didier Drogba, il dit qu'il veut changer le visage du football ivoirien. Il veut mettre toutes les infrastructures qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire au niveau du sport, il veut les mettre en place. Mais vous allez demander où Didier va enlever cet argent. Mais chacun a sa manière de penser. Chacun a sa manière de voir les choses. Didier Drogba voit plus loin que ses amis. Mais il a dit qu'il n'est pas souri Diabaté et Idriss Diallo de côté. Il dit, lui, il vient pour l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'unification du sport ivoirien. Didier Drogba ne vient pas pour sa personne. Mais Didier, il dit, je vais relever le défi. Regardez-moi, donnez-moi seulement le premier mandat et vous verrez ce que je dois faire. Mais un homme de cet homme qui met au défi qui que ce soit, mais il faut le laisser. Il faut le laisser. Le football ivoirien, sur le plan salarial, ne va pas perdre sa valeur. Sur le plan équipement, ne va pas perdre sa valeur. Sur le plan matériel, ne va pas perdre sa valeur. Donc, moi, je ne dis pas que je suis un supporter de Didier, mais voyez la réalité en face. Cet enfant qui arrive à 38 ans, 35 ans, qui laisse sa carrière et qui vient mettre son énergie, sa créativité, son innovation au service de son pays. Je pense qu'il faille qu'on le laisse être président de la Fédération ivoirienne de football et nous allons le regarder. Vous qui êtes entraîneur, est-ce que vous êtes dans de bonnes conditions? Vous qui êtes président d'un club en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes dans de très bonnes conditions? Didier viendra mettre en place le salaire de chaque joueur. Le salaire aussi des présidents des clubs. Ça veut dire que personne ne va perdre. Vous n'allez pas perdre. Didier a quand même des ressources sur lesquelles il se base pour relever le défi du football ivoirien. Regardez comment le football ivoirien fait pitié. Vous n'allez pas me dire que c'est le président Alassane Ouattara qui va chaque fois mettre de l'argent au profit de tous les Ivoiriens pour que le sport avance. Non. Mais il faudrait que quelqu'un sorte de l'ordinaire pour montrer réellement sa stratégie, comment faire à ce que le football ivoirien avance. Si Sori voulait le faire, si Idriss Diabaté, Idriss Diallo voulait le faire. C'était depuis au temps de M. Sidi Diallo. Lorsque je discutais avec un ami Al Jérôme, un autre journaliste, on parlait de M. Bouaké, qui a été le vice-président du Libéria au moment où Salif Elek Jonsson était président. Cet homme sort de sa réserve pour dire qu'il voudrait être président. Après,
que le mandat de Salif Eleh Diong soit terminé. Je me suis posé la question. Donc, tu avais, M. Bouaké, vous aviez un plan de gouvernement et vous n'avez pas été capable d'aider Salif Eleh Diongson pour mettre en exergue ce plan de gouvernement. Mais vous venez pour mettre ce plan de gouvernement en marche. Vous venez pour dire aux Libériens que vous voulez gouverner le Libéria et que vous avez des potentialités. Moi, j'ai dit non. J'ai dit aux Libériens de ne pas voter cette personnalité. Parce qu'au temps de Salif Eleh Diongson, il n'a pas monté son efficacité. C'est la même chose lorsque je prends Idriss Diallo et puis Sori Diabakate. Il devait quand même aider Sidi Diallo à ce que le football ivoirien avance. Et ils ne l'ont pas fait. C'est maintenant qu'ils viennent parce que Didier Drogba est venu leur montrer, voilà mon plan de gouvernement pour pouvoir relever le football ivoirien. Sans cela, ils viennent. Moi, je dis tout simplement à ceux aux 80e personnalités qui doivent voter, de mieux réfléchir. S'ils veulent que le football ivoirien avance, ils n'ont qu'à réfléchir. S'ils veulent avoir leur salaire, ils n'ont qu'à réfléchir. S'ils veulent qu'il y ait du matériel de manière potentielle, ils n'ont qu'à réfléchir. S'ils veulent que le football ivoirien avance, ils n'ont qu'à réfléchir. Ce n'est pas la peine d'aller voter une personne qui va encore clouer au sol le football ivoirien. Il y a des gens qui supportent Diabaté et Sori et aussi Idriss Diallo. C'est bien. Mais vous avez été des grands joueurs. Et vous savez les raisons qui ont quand même fait pinailler le football ivoirien jusqu'à ce que on ne voit plus une relève. On ne voit plus l'avancée du football ivoirien. Mais au juste, vous avez dû avec Didier Drogba. Vous deviez rester à ses côtés pour dire ensemble, nous formons l'unité. Si demain Didier est président, il ne va pas laisser tout le monde. Il va prendre tout le monde pour qu'ensemble, vous allez diriger le football ivoirien. Mais dites-nous, est-ce que la Côte d'Ivoire a été une fois qualifiée pour le mondial? Didier veut le faire. Didier veut le faire. Vous l'avez vu, un homme de sa trempe qui a joué et qui a été connu de partout sur le monde entier. Mais ce n'est pas ça qui importe. Mais c'est sa connaissance. C'est ce qu'il veut faire. Les sponsors, la communauté internationale qu'il veut amener en Côte d'Ivoire. Sidi Diallo a été président pour amener le sport, le football ivoirien. Jacques Anouma a été président, mais où le football ivoirien a été. Donc moi, je pense, à mon humble avis, qu'il faille qu'on laisse Didier Drogba aujourd'hui diriger le football ivoirien. Et nous allons voir de quoi il pourrait être capable. Ensemble, mettez-vous avec Didier Drogba. Il faut l'aider. Il pourra aller demain envoyer toute la communauté internationale, pour ne pas dire les grands sponsors de ce monde-là, en Côte d'Ivoire. Les terrains seront construits. Il y a des bâtiments qui seront construits. Aucun joueur ne peut aller peut-être dans des taudis pour s'habiller ou bien dans des coins qui ne sont pas appropriés pour s'habiller, pour aller aux entraînements ou bien pour aller jouer un match. Écoutez, Didier a vu comment le football ivoirien souffre. Didier Drogba a vu comment le football ivoirien est menacé. Didier Drogba a vu comment le football ivoirien fait pitié. Idriss Diallo, Sori Diabaté, vous avez vécu ce football ivoirien. Mais où nous sommes aujourd'hui? Vous avez travaillé avec Sidi Diallo. Mais où nous sommes aujourd'hui? Vous venez là pour dire que, bon, d'accord, vous êtes des candidats potentiels. C'est l'exemple
de cet homme qui voulait être vice-président du Libéria. Quoique, c'est cet exemple que j'ai donné. Donc, vous ressemblez à cet exemple. Vous faites part de cet exemple. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voulez que le football ivoirien n'avance pas, soit cloué, continue d'être cloué. Mais ensemble, mettez-vous avec Didier et vous allez ensemble continuer à relever le défi de ce football ivoirien. Samuel Eto'o a déjà fait un grand pas. Samuel Eto'o a déjà dit, si les joueurs ne sont pas payés, ils n'ont qu'à poser plainte. Mais les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens, il y a quand même du talent. La Côte d'Ivoire est un nid de grands talents footballistiques. Mais aujourd'hui, avec ce que nous appelons le silence, une affaire personnelle, une affaire d'homme qui n'amène même pas le football ivoirien quelque part. Il faudrait qu'on cesse et qu'on soit derrière Didier Drogba pour qu'il puisse, ensemble avec vous, amener le football ivoirien au fixe. Moi, je vous dis de lui donner quand même, ce crédit-là pour qu'il arrive. C'est ce que je voulais apporter comme, en tout cas, mon point de vue. Je n'ai pas vraiment insulté quelqu'un, mais simplement j'ai donné mon avis. Cet avis ne peut ne pas vous plaire, mais nous sommes tous Ivoiriens. Et que la vérité que vous avez connue, la vérité qui doit être connue, la vérité qui ne doit pas être cachée, doit quand même faire penser aux Ivoiriens que le football ivoirien est complètement lettre morte. Donc, il faut une nouvelle équipe. Il faut une nouvelle équipe. Le président Ouattara est fatigué. Il a été président, il continue d'être président. Ce n'est pas lui qui va aller jouer. Il met à votre disposition les moyens qu'il faut. Mais il va falloir que celui qui est le président de la FIFA puisse quand même relever le défi avec ses moyens. Mais Didier ne va même pas s'occuper des moyens qui sont là, mais il va s'occuper quand même des moyens que ce football-là, ivoirien, regorge. On a quand même des milliards, c'est des milliards. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces milliards? Je pense que Sori Diabaté a parlé de 4 milliards, mais Idriss Diallo a dit qu'il ne se reconnaît pas dans ces 4 milliards. Il y a un déficit. Ivoirien. Président des clubs ivoirien, est-ce que vous voulez avancer ou bien vous voulez continuer de rester toujours sur le même point, Est-ce que vous voulez avancer? Si vous voulez avancer, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut laisser Didier Drogba. Parce que Sori et puis Idriss Diallo ont suivi feu Sidi Diallo pour que l'équipe, sinon les équipes de la Côte d'Ivoire, aillent de l'avant. En CAM, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a toujours un problème. La Côte d'Ivoire n'avance pas. Et si quelqu'un vient relever le défi, il faut l'écouter. Raison pour laquelle je vous demande tout simplement de se mettre aux côtés de l'équipe de Didier Drogba pour que le football ivoirien avance. C'est ce que moi, je voulais quand même vous dire. Moi, je dis ce que je pense. En tant qu'un homme de médias, en tant qu'un journaliste qui fait vibrer, en tout cas, Tempo Afrique TV depuis les États-Unis, je n'ai jamais cessé de dire la vérité. Ce n'est que la vérité. Mais ce que je vous demande, c'est d'aller réfléchir et voter la personne qui pourra relever le défi. Et cette personne qui pourra relever le défi, c'est bien Didier Drogba. Je vous remercie, portez-vous bien et que la Côte d'Ivoire soit au beau fixe. Le gagnant qui va sortir de cette élection, c'est bien la Côte d'Ivoire. Merci à tous et bonsoir chez vous.